Bonjour à tous et bienvenue sur Scoop. Scoop, c'est l'actu en temps réel. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la mort de Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marquet révèle pourquoi il refusait de prendre sa retraite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce jeudi 3 mars, au lendemain de la mort de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet s'est confiée dans le 20h de TF1. Elle a notamment révélé pourquoi son mari refusait catégoriquement de prendre sa retraite. Un monument de la télévision s'en est allé. Ce mercredi 2 mars, c'est une peine immense que les Français ont appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Âgé de 71 ans, il avait révélé quelques mois plus tôt être atteint d'un cancer des poumons. Après avoir gagné un temps sa maladie secrète, mais c'est une autre raison que le présentateur avait rendu son dernier souple. À en croire sa proche amie Isabelle Morini-Bosque, ça faisait 3 semaines qu'elle le veillait jour et nuit à l'hôpital Georges Pompidou, où ils avaient été hospitalisés. Non pour son cancer des poumons, qui était, semble-t-il, en train de vaincre, mais pour des enchaînements d'autres problèmes de santé s'étant successivement déclarés, a confié la chroniqueuse. Il faut dire que selon Nathalie Marquet, la veuve de Jean-Pierre Pernaut, il ne s'arrêtait jamais. C'est ce qu'elle a confié lors d'une interview des plus émouvantes accordée à TF1. Au cours de cette entrevue, la maman de Tom et Lou a également révélé la raison pour laquelle Jean-Pierre Pernaut ne souhaitait surtout pas prendre sa retraite. En effet, c'est un secret pour personne, l'ancienne Miss France a longtemps bataillé pour que son époux lève le pied. Et s'il avait finalement accepté de laisser du lest en quittant son trésor de TF1, il a cédé sa place à Marie-Sophie Lacaro. Il refusait toutefois de cesser totalement ses activités. La raison, il voulait être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il voulait toujours plus que la famille soit bien, qu'elle ne manque de rien. C'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, a révélé Nathalie. Au bord des larmes, lors de son entretien avec les équipes de TF1, jusqu'à son dernier souffle, Jean-Pierre Pernaut sera resté l'un des animateurs les plus appréciés du public français et aimé des siens. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous à Scoop pour plus d'actu.